Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Oddworld, l'exode de Dabe. J'espère que vous allez bien. Et sans plus tarder, on attaque la suite. Cassos. Et boum. Ok, on commence bien l'épisode. Le Slig est débarrassé. Donc, 3 mudokons ici, une mine. Et il se trouve que le passage est juste là, on commence bien. Allez, zou. Et donc, on est dans le tunnel 6. C'était les 3 derniers mudokons du 3ème tunnel. Il nous reste 4 mudokons à délivrer. Et on aura terminé, du coup, employé dans les mines, on aura terminé les mines. Et on pourra attaquer avec la suite. Ce qui est cool. Et donc c'est accès à la chaudière, justement, on a le petit spoil qui est juste là. Alors j'entends du slick pioncer, on va essayer de la jouer fine tout de même. Hein. Il ne reste plus que 4 à délivrer et on est bon les amis. Alors, le problème, c'est que si j'enclenche le levier, je vais réveiller le Slig. Et sauf qu'il va pas me rater. Donc, on va l'envoûter direct. Oh, le con, il est parti. Non, c'est une blague. Oh, merde. Non, te barre pas. Allez, dès qu'il revient dans l'écran, je commence mon envoûtement. Reviens. S'il te plaît, reviens. Franchement, c'est galère. Maintenant. Allez, ça va le faire. Ouh, ça a été just. C'est bon, je l'ai. Allez. Voilà. Y a moyen de lui mettre une balle, lui, ou pas? Boum! Comment je t'ai aligné, mon gars? Sans aucune forme de respect. Et du coup, on peut se débarrasser de lui. Parfait. Ouh. À un moment donné, j'ai cru que j'allais pas réussir à l'envoûter. 1, 2, 3, 4. Il y a quoi? Il y a 4 mudokons en chemin là déjà. Ah bah, c'est les 4 qui me manquent. Oh. Ok. C'est bon. C'est bon, j'ai activé le truc. Ils me suivent ou pas? Ouais, je le sens mal. De toute façon, il y a une caméra ici, donc on va se barrer. Oh merde, ça continue. Oh non. Oh là là, showtime. Et ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Alors j'aurais voulu pouvoir actionner le levier en fait, one shot. Malheureusement, ça va être quéquette. Attends, il change pas d'écran là? Non, mais vous êtes pas sérieux. Cassos, parce que moi je suis un dingue. Ah, le problème c'est que... Ah mais si, je peux envoûter ici. Oh, nice. Bon, tout va bien. Alors, on va tout de suite aller regarder s'il y a du slick qui va m'emmerder, histoire de les dézinguer direct. Déjà. Ah, je peux pas, ils sont cachés derrière la pierre. En même temps, vous savez quoi? Je m'emmerde en fait pour rien parce que je pourrais les écraser avec les wagonnets en fait. Hein, quand j'y repense avec les wagonnets, je vais pouvoir les écraser. Mais bon, écoutez. On peut du coup continuer? Attends, il me faut le wagonnet. Eh ben, il est là le wagonnet. Hop, nice. Alors j'ai pas vu de bouteille et de toute manière il ne reste plus que 4 amis mudokons à libérer. Nos amis qui ne doivent plus être trop loin, donc on a plutôt intérêt à faire attention.
What? C'est quoi cette alarme de ouf là? Oh non! Non, j'ai pas fait ça. Si, j'ai fait ça. Et comment je fais pour me suicider? C'est quoi cette alarme de ouf là qui me pète la tête là? Ouh, à mon avis c'est un bug du jeu, hein. Pas cool. Comment on fait pour recommencer? Recommencer le niveau? Ouais, c'est ça, recommencer le niveau. Bon, allez, cette fois-ci... J'étais un peu gourmand sur ce coup-là. On va attendre qu'il revienne et on va essayer de la jouer un peu plus fine cette fois-ci. Et en plus, je suis un peu con, hein. J'aurais dû faire un quick save avant. Bon, ceci dit, ça change rien. Je ne pouvais pas mourir. Voilà. Allez, hop. Coucou, je panier. On se débarrasse de lui. Est-ce qu'il y a moyen pour éviter de faire des conneries de les appeler d'ici, mes potes? Non, il n'y a pas moyen. Je m'en doutais un petit peu quand même. Je m'en doutais un petit peu. Allez, Cassos. Ok, ça passe. Ça passe, ça passe. Alors, cette fois-ci, je vais pas faire la même bêtise. Un petit quick save qui va bien. Bon, ceci dit, j'étais bien encore une fois. J'étais bien. Le problème, c'est que... on peut pas charger... Mince, je voulais regarder, mais je crois pas qu'on puisse charger un quick save, en fait, pour être... Oh, purée. Oh, purée, que ça a été chaud des fesses. Showtime, 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 showtime. Voilà. Cool. C'est pourri qu'on puisse pas se suicider quand j'y repense, en fait. Parce que je suis venu de me retaper tout un truc, alors qu'en fait, je l'avais grave ouvert GG, quoi. Pas cool. Allez, toi, t'es coucouche, toi, t'es coucouche panier. Toi, t'es coucouche panier, toi aussi. Ouais, franchement, j'aurais pu les écraser, quoi. Bim. Alors, on va faire un test. Je vais faire un quick save. Et je ne sais pas... On va Ouais, on va sauvegarder sur la carte mémoire, direct, en mode YOLO, parce que je suis un ouf. Écraser. Continue. Voilà. Nice. Et hop, le petit pec qui va bien, ça c'est cadeau. Et donc, on va éviter cette fois-ci de réitérer la même bêtise, histoire qu'on puisse avancer un minimum. Ah, franchement, saleté de Mudokon, quoi. J'ai pas eu de bug d'alarme cette fois-ci, là, le truc qui nous avait pété la tête tout à l'heure. Voilà. Là, ça me plaît. Allez, suivez-moi les copains. Ils sont 4 et je ne veux plus vous voir, barrez-vous. Yes! Les amis, employés dans les mines, 75, évadés 75. On est à 100% dans les mines. Voilà. Et ça, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. C'est ultra nice. Donc, accès à la chaudière. Alors, pas de bouteille sur l'écran, donc pas de passage secret. On trace direct. J'aimerais bien qu'on puisse... comment dirais-je? Bien avancer. Et même aller jusqu'à la chaudière et tout ce qui va bien. Oh purée! Non, 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 non. Ok, on laisse partir. De mémoire, c'est par ici. Ouais, accès à la chaudière. Il y a la flèche en gros. Ok, c'est bon, je l'entends plus. Allez, on trace. On en profite. Alors, tout ce passage-là, on l'a déjà fait en fait. Si vous vous rappelez bien, on était descendu.
Ok, c'est bon, on l'a feinté. Alors vous savez quoi, vu qu'on l'a feintouillé, on va faire un petit quick save ici, bien comme il faut. On active ça. Enfin, on désactive plutôt. Hop là, Taïo. Ok, nickel. Maintenant. Oh purée. Je suis pas mort. Oh, il m'a pas vu. Oh là là. Allez, vas-y, on va en profiter pendant qu'il est pas là. Cassos. Cassos, cassos. Je vais faire un petit quick save bien comme il faut rapidement. Oh 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 oh. Ok, vas-y, on se casse. On se casse. Pas de soucis. Allez. 4 secondes. Oh, c'est showtime, mais. Oh purée. Purée. Oh. Ok. Ouf. Petite castration au passage. Bon, j'ai mal pour Abe et pour son matos parce que franchement il a pris cher. Ouh purée. Bref. Ah, on change d'ambiance. Franchement c'est kiffant. On change d'ambiance, tiens, première boutanche de ces soifards de Mudokon qu'on peut suivre à la trace. Le passage est juste là. Nice, parfait. Et donc c'est une ambiance qui est assez agréable, on a à peu près... C'est quelque chose que l'on retrouve dans... Oh, je crois que j'ai été un peu prétentieux sur ce coup-là. C'est une ambiance qu'on retrouve dans Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Quand il y a les Scrabs et les Paramites, on a toute une ambiance vraiment cool, vraiment sympa. Ouais, c'est bon, j'ai compris les gars. Donc l'idéal, c'est de passer lorsqu'ils ont le dos tourné. Sauf qu'ils sont pas super synchro, les enfoirés. Hein. Merde. Ok. Ah, des passages rageants, il y en a beaucoup dans le jeu, je vous préviens, pour ceux qui connaissent pas du tout. Il y a beaucoup de passages... Oh purée, mais c'est pas possible, il met 3 plombes à ce... Ah purée. Donc des passages rageants, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et là malheureusement... Je suis en train de prendre cher, et pourtant je... Merde quoi. Ça marche si je fais ça? Bon, j'ai voulu tester la méthode 2, mais c'est pas la méthode fiable. Hein. C'est pas la méthode fiable. Quand vous êtes en boule, si vous faites le bouton pour courir, il le fait pas. Donc c'est pas la peine. Bon allez. Putain. Ah, c'est horrible. C'est horrible, et c'est pas le seul passage qui fait rager, c'est pas le seul passage qui est compliqué. Alors, à quel moment faut que j'y aille? Il faut qu'ils aient le dos tourné. Ils sont 3, il y a une caméra, c'est juste que bordel pas possible, bordel sans nom total et absolu. Ah, je sens bien. Ok. YOLO le quick save direct. Ouais. Attends, le passage là, vu comment il est relou. Merde. Bon, c'est pas trop grave. Mais je sens que je vais quick save plutôt pas mal dans ce passage là. Et c'est pas le seul, franchement, c'est pas le seul. Oh. Qu'est-ce que j'ai foutu? D'accord. Bon, j'ai un peu ripé, au lieu de faire haut, j'ai fait droite. GG. Allez, c'est pas trop grave. J'ai fait un passage assez chiant. Voilà. Donc là, ils peuvent pas me voir. On use et abuse du quick save. Parce que fuck you. Eh putain, mais sérieusement, les mecs là?
Je suis caché derrière un tuyau, j'ai juste sauté, mais sinon, à part ça, vous pouvez pas m'aligner, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. Je peux reculer ou pas? Non, je peux pas reculer. Ah, c'est juste fuck you, en fait, quoi. Oh là 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 là. Horrible. Ok. Ok. Pas de soucis. Moi, j'assume. Oh, putain. Le con. En fait, le problème, c'est que là, je me suis senti en confiance. Je me suis dit, ouais, non, quand même, je vais pas refaire un quick save, j'ai passé le passage, YOLO. Sauf que, bah, si. Ouais, il est hyper lent, en fait, à monter. Il est hyper lent à monter, donc, en fait, il faut que je sois ultra bien aligné avec les sligs. Et c'est la merde, là. Franchement, c'est la merde, ce passage. C'est la galère ultime, totale et absolue. Et dès qu'il a le dos tourné, maintenant. Voilà. Ah purée. Et je vais crever combien de fois? Et je suis en train de crever en gros à chaque tuyau sur cet écran. Et à la fin, je vais arriver à 10 morts sur le même écran. Oh la vache. Oh la vache. Ouais, franchement, il y a d'autres passages, hein. Je vous le dis, il y a d'autres passages de ultra hardcore, il n'y a pas que celui-là. Allez hop, parce que je suis un ouf. Oh merde. Vite. Attends. Oh, ils m'ont fait peur. Oh, laisse tomber. Ok, allez. Et de une. Et de deux. Oh putain. Pitié, mais s'il vous plaît, arrêtez de me torturer. Bon, je crois qu'on est dans l'épisode du fail. On est dans l'épisode du fail ultime, total et absolu. Voilà. Oh là 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 là, j'aurais pas pu le faire dès le début. Allez, les trois derniers mudocons de ce bloc sont libérés. On tape le quick save. Et vous voyez que dans les baraquements, il me reste 10 mudocons. En tout cas, cette partie-là est terminée, donc cassos. Et on revient dans le côté jungle, calme, paisible. Alors ça, c'est ce que vous croyez. C'est bien évidemment... Eh hey, mais... Oh là 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 là. Oh pitié. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh là là. J'ai... Oh purée. Ok, allez, tout va bien. J'y suis allé en mode c'est trop cool, je suis un touriste, on se balade, tout va bien. Ah là là, je te jure. Allez. C'est pas grave, ça te rendra... Allez, le petit quick save. Je commence à fatiguer là, je crois. Je commence à fatiguer parce que faire des erreurs aussi simples... Ah, le problème, en fait, c'est qu'avec ce genre de passage secret comme ça... Franchement, vraiment, ça vous tape sur le système. Ça vous met un coup au moral derrière la tête. Vraiment hardcore. Et des fois, dans ce genre de moment, vous vous dites « Oh merde, mais pourquoi ?» Pourquoi je me suis... Pourquoi ça, par exemple? Et on se dit « Pourquoi ?» et tout le truc. Ce passage, il est relou. Je le savais, ce jeu, je l'adore. Mais la merde, ça me fait rager. Bref. La rage dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Non, on va essayer de se concentrer un minimum quand même pour la fin de l'épisode, les amis. Il y a moyen, c'est pas très compliqué. Faut se concentrer un petit peu là. Genre là, on va taper un petit quick save. Voilà. Tac. Ok, d'accord. Très bien.
Là, sincèrement, par contre, là, voilà. J'avoue, je pensais vraiment qu'au niveau du saut, je pouvais temporiser, mais en gros, quéquette. Donc, ce qu'on va faire, c'est un double saut enchaîné. Voilà, comme ceci. Là, je vous montre un peu la position de la crêpe. Oh, sérieusement, dans cet épisode, je sais pas combien de fois je suis mort, mais c'est juste une horreur, quoi. Allez. Hop, et on ressaute. Ah. Ah, nice. Allez. Ouh. Alors, fais des incantations pour ouvrir les portails d'oiseaux. Si le portail reste ouvert, franchis-le pour être téléporté. Ne t'inquiète pas, si tu fais fuir les oiseaux, ils reviendront si tu quittes la zone et que tu reviens. Donc en gros, ça le reset. Parfait. Et les oiseaux sont justement là, ils m'attendent. Et ils permettent de passer de l'autre côté, tout simplement. Alors, pas de bouteille de poivreau. Non, je n'en vois pas. Typiquement, ici, ça aurait été un truc à l'ancienne sur Oddworld 1 avec un passage. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de bouteille, donc. Allez, on continue tranquillement. Ah, où est-ce qu'on va atterrir? Parce que je le sens mal là. Je sens quand même que c'est l'épisode maudit aujourd'hui. Même l'épisode ultra maudit. Vu le nombre de fails que je me suis tapé. Ok. Ok. On descend. L'ambiance est pesante, les amis. L'ambiance est ultra pesante. Alors, voyons voir. J'ai des passages un petit peu partout. On va aller checker un peu à droite, à gauche. Tiens, ça c'est parfait, une stèle. J'aime les stèles. Nécrom, le cimetière Mudokon. Il y a très longtemps de cela, les tribus Mudokon se rassemblaient pour enterrer leurs morts. Les Mudokons les plus héroïques des tribus Mudanshi et Mudomo étaient abandonnés dans les caveaux de Nécrom. Sauve leur esprit avant qu'il ne soit trop tard. Nice. Ok, très bien. On va sauver les esprits des. Alors. Il y a un truc, il y a un truc. Il n'y a pas de bouteille et il y a un passage ici. Pourquoi? Ah. Je sais qu'il y a beaucoup d'esprits piégés à sauver, mais ne néglige pas les Mudokons vivants que tu rencontres. Ils ont aussi besoin d'être sauvés. Fais en sorte qu'ils te suivent, puis fais des incantations pour ouvrir le portail des oiseaux. Bah les gars, heureusement qu'on n'attendait pas la stèle pour avoir le conseil, parce qu'on est déjà à un sacré paquet de Mudokons délivrés, hein. Donc si on attendait ça. Ok. Allez. Cassos. On a vu ce que l'on voulait. Si je reprends ce truc-là, ça fait quoi? Ça fait que dalle. Ok, pas de souci. Donc le côté droite, parfait. Le côté gauche, on se tape encore de la stèle, hein. Bah écoutez, on va prendre tous les conseils. Alors, protégés par les Scrabs et les Paramites, les caveaux de Nécrom ont été investis par les Gluckons et les Sligues. Libère les esprits emprisonnés de tes ancêtres et gagne le pouvoir de guérir tes amis. Mais gare! Un faux pas et tu finis dans l'assiette d'un Flitch. Ok. Alors, et d'ailleurs, le Flitch est un nouveau mob qui n'était pas présent dans Oddworld, l'Odyssée d'Abe, mais qui est présent dans l'Exode. Donc un nouveau mob. Alors, on en est où au niveau des petites torches? Parce que du coup, là, on est en train de les activer. 1, 2, 3. Il nous en manque plus qu'une. Parfait. Et je pense qu'après, on va pas tarder à se quitter. Tiens, d'ailleurs, le petit quick save qui va bien. Oh yeah. Holy smokes. Youhou. Excellent. Allez, dernière stèle. Tu es le sauveur du peuple Mudokon et de ses morts. Les Gluckons profanateurs ont réveillé les esprits de tes ancêtres, qui sont maintenant retenus prisonniers par des gardes. Sligue superstitieux. Trouve les caveaux de Nécrom pour sauver les esprits torturés. Oh yeah. Eh ben écoutez, allons-y de ce pas. On a du coup allumé tous les petits flambeaux. On va pouvoir grimpouiller.
On va faire un petit quick save juste ici et on va se quitter là les amis pour cet épisode. Donc j'espère qu'il vous aura plu, ça aura été l'épisode maudit, l'épisode du fail, ça a été une véritable horreur. Mais on avance quand même super bien. Donc je vais vous laisser là, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à plus tard et merci d'avoir regardé. Allez, salut tout le monde et ciao ciao.